Au-delà de l'information générale, c'est aussi l'animation d'une communauté française. Et l'un des éléments de cette union, c'est évidemment d'avoir des dispositifs, des relais d'information, de communication. Et le Petit Journal, on est évidemment un. L'année dernière, il faut savoir qu'il y a eu 1 million d'articles qui ont été lus sur les pages Espagne du PetitJournal.com. C'est quand même assez conséquent. Imaginez imprimer 1 million de pages, ça ferait une montagne peut-être plus haute que la Tour Eiffel. Et voilà, vous avez lu tout ça l'année dernière, c'est extrêmement impressionnant. Vous êtes maintenant plus de 26 000 lecteurs sur Espagne et ça continue de grandir chaque jour. Et plus de 5 000 followers et fans sur les réseaux sociaux. D'abord, une équipe que je vois régulièrement, qui on s'en proche de notre communauté et de nos différentes missions, de nos différentes initiatives. Le Petit Journal, c'est vraiment notre journal de référence à Madrid. Le Petit Journal tous les jours, en tout cas je une alerte par email et donc je le lis, je pense que c'est un référent pour l'ensemble des Français qui sont installés à Madrid. Il est lu bien au-delà, on le voit publié, diffusé sur les groupes de Français dans les réseaux sociaux et donc je pense qu'il a tout à gagner d'être un référent pour l'ensemble des Français. Je reçois tellement de petits journaux qu'il y a certains exemplaires, j'arrive pas à lire. Mais effectivement, c'est un lien très intéressant. C'est par les Français, pour les Français, sur la communauté française et espagnole. C'est très intéressant d'avoir des nouvelles en France. Le petit journal, c'est rester connecté avec les Français de Madrid. Super, génial. Je pense que le petit journal, c'est encore un point de liaison avec tous les Français. Le petit journal, pour nous, c'est un rapport à nous. Donc, conseiller du commerce extérieur de la France, on a forcément une relation privilégiée avec le PetitJournal.com et toutes les dernières nouveautés, toutes les dernières choses qui apparaissent au niveau de la communauté française, naturellement on pense à Vincent et ses équipes. Le Petit Journal, c'est une super manière de rester en contact avec toute la communauté francophone à l'étranger et aussi se tenir au courant des événements de la communauté francophone. C'est très pratique et régulièrement. Pour moi, une page de fraîcheur, Madrid France, tout simplement.